Salut les proguèdes et les métalleux. Aujourd'hui, je suis en vacances, donc pas de Radio Erdorine ce mois-ci. Mais non, je déconne. Moi, pendant que les gens glandent au soleil, je reste dans mon alias cave, hein, c'est au frais, il y a des bières, il y a du wifi, il y a du bon son. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode de Radio Erdorine, le résumé vidéo de mes chroniques musicales. Les chroniques en question, vous pouvez les retrouver sur mon blog si vous êtes dans la team vieux. L'adresse, c'est alias.erdorine.org, ça s'affiche ici. Et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver dans les descriptions de la vidéo, c'est-à-dire plus bas, les liens avec les différentes chroniques, les différentes vidéos et les sites officiels du groupe. Là, je vais vous faire un petit coup promotionnel totalement gratos. Bon nombre de ces chroniques, en fait, elles viennent d'albums que j'ai achetés lors de mon dernier passage à Paris, début juillet. Le coup promotionnel, c'est pour Gibert Musique, qui est le dernier magasin à ma connaissance à Paris, qui est encore un rayon rock progressif. C'est au 34 boulevard Saint-Michel. Si vous êtes de passage, je vous recommande le pèlerinage. On y trouve des groupes qui sont pas super connus. On y trouve aussi des imports japonais et d'autres bizarreries. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. En plus, les prix sont tout à fait corrects. Toujours pas de live report ce mois-ci, par contre, je peux vous promettre que pour la fin de l'année, ça va être beaucoup plus actif, avec notamment des concerts de... Il va y avoir plein de trucs super cool. Et... Du coup, on embraye direct sur les albums. Le mois passé, je vous avais promis du suisse et du lourd. Et ben voilà, Zillen Ardor, c'est un groupe qui, un jour, s'est posé la question. Et si les esclaves africains en Amérique avaient décidé de se tourner vers le diable plutôt que vers Dieu pour leur salut? Vous en conviendrez, déjà à la base, c'est pas banal. Le résultat, qui mélange black metal et gospel, l'est encore moins. Ouais. Le résultat est bluffant. Stranger Foot, cet album, il part sur une identité blues, gospel, mais assez rapidement, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment quelque chose de bizarre, une ambiance malsaine qui se crée au fur et à mesure que le côté black metal monte. Et en fait, on garde toujours une identité un petit peu entre les deux. C'est jamais complètement black metal, c'est jamais complètement gospel, on est toujours un petit peu entre les deux. Et ça donne un album qui est vraiment un des trucs les plus bizarres que j'ai jamais entendu. C'est aussi vraiment impressionnant parce qu'on a une réelle originalité, on a une réelle recherche, on a cette espèce de mélange de deux extrêmes qui donne quelque chose d'assez fou. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, n'hésitez pas. Si vous cherchez des trucs un petit peu bizarres, un petit peu barrés, jetez-vous là-dessus. Là, vous dites, ok, un album bizarre pour commencer la chronique, c'est pas mal. Et ben là, je vous dis, ah ben, ça tombe bien, j'en ai un autre. Et je relance de Ofnir, l'album de Heilung. Heilung, c'est un projet à moitié allemand, à moitié danois, qui a décidé d'aller... Bon, à la base, c'était plutôt du black metal, mais ils ont décidé d'aller le plus loin possible dans le paganisme. Et quand on dit le plus loin possible, ça signifie aller jusqu'à faire des instruments à base de boucliers en cuivre et d'os. Et ça donne ça. Alors il faut savoir que Heilung, c'est un groupe qui se définit, c'est un projet qui se définit comme étant de l'histoire amplifiée. C'est pas tout à fait de la reconstitution historique, c'est pas tout à fait de la performance artistique, c'est un petit peu entre les deux. Personnellement, musicalement, j'ai l'impression de retrouver quelque part les mêmes ambiances qu'il y avait dans Dead Can Dance, mais bien évidemment beaucoup plus sombre, avec cette espèce d'influence black metal, pagan folk, très très bizarre. Alors après, il y a des trucs qui m'agacent un peu, hein. Notamment, il y a eu plusieurs pistes où on se retrouve avec un type qui vous hurle dessus en allemand, c'est pas forcément super agréable, hein. L'insultement en allemand metal, ça a ses fans, mais pas trop moi. Mais pour le reste, bon, c'est aussi un album qui est passablement long, parce qu'une heure et quart, ça fait quand même beaucoup, c'est peut-être aussi un de ses défauts. Mais néanmoins, si vous cherchez des choses qui sont aux frontières du metal, du pagan folk, des trucs un petit peu starbés, là encore, Ofnir de Heilung, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur chaîne YouTube, il y a un certain nombre de retransmissions de leurs performances live, et c'est vraiment impressionnant.
Là, on va passer à du métal progressif un peu plus classique. Quand je dis un peu, c'est quand même que Tetra Fusion est un groupe américain qui a des grosses influences jazz. Donc du coup, ça nous fait un métal progressif avec beaucoup de décrochage. C'est un groupe qui a quand même pas loin de 12 ans d'existence, seulement 2 albums, mais on sent qu'il y a quand même une bonne expérience et ça donne des choses assez bizarres, mais pas mal du tout. Dreaming of Sleep, c'est un album solide. Alors on a des musiciens qui savent ce qu'ils font, on a des compos qui sont bien barrés, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc qui colle pas, j'arrive pas à accrocher. J'ai l'impression que c'est peut-être parce que c'est un album qui est très technique, trop technique, de temps en temps ça tourne à la démonstration de virtuosité, et du coup j'ai du mal à rentrer dedans. C'est assez frustrant parce que sur le papier il y avait plein de trucs vachement cool que j'aurais pu aimer, mais au final c'est un album qui va pas me laisser un souvenir impérissable. Alors Windows, c'est un groupe dont j'avais beaucoup entendu parler dans un certain nombre de chroniques publiées sur des blogs voisins et néanmoins amis. Et à l'écoute de leur album Time of Awakening, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas m'y être intéressé plus tôt. Parce qu'il est vraiment très bien. Et c'est un album, c'est un groupe qui fait un metal progressif, rock progressif, un petit peu à la croisement entre les deux. Ça me fait penser un petit peu à Riverside, mais avec un chant féminin en anglais, malgré le fait que ça soit un groupe français. Hélas, la seule vidéo que j'ai réussi à trouver sur YouTube, c'est pas le meilleur morceau de l'album, c'est le plus court aussi, parce que il y a 3 morceaux techniquement sur cet album, les 2 autres sont des compositions beaucoup plus longues, et Windows, c'est un groupe qui excelle réellement sur la forme longue. Alors, faut pas attendre de ce groupe des compositions ultra techniques, des démonstrations de prouesse et de virtuosité, c'est un groupe qui sait par contre très bien composé avec les émotions, qui s'est très bien formé des tableaux vraiment impressionnants, très visuels. Pour de la musique, c'est assez étonnant, mais croyez-moi, c'est assez le cas. Et donc, si vous aimez bien un métal progressif, pas forcément hyper alambiqué, mais bien foutu, très émotionnel, très basé sur les émotions, en fait, n'hésitez pas, jetez une oreille sur Time of Awakening, c'est un très bon album. Alors si les expérimentations à base de black metal ou le metal progressif alambiqué, c'est pas trop votre cam, alors j'ai une galette qui est nettement plus mainstream qui devrait vous plaire. Under Siege, qui a sorti donc un premier album, qui n'a pas de titre, donc on va partir du principe que son titre c'est aussi Under Siege, ça sera plus simple. Si je vous dis Melodeath à tendance folk, vous allez probablement me dire « Ah tiens, un groupe scandinave ». Eh ben non, ce sont des Italiens. Si je voulais être mes 10 ans, je dirais que ça s'entend. Parce que Under Siege nous balance quand même un métal particulièrement baroque en empilant les influences. On a donc du death metal, on a du folk metal, on a du new wave of British heavy metal façon Iron Maiden, on a 2-3 autres trucs assez fumés, et en fait, ça pourrait donner une sorte de gros gloobie-boulga de métal bizarroïde, mais pas très complexe non plus. Et en fait, c'est l'album qui prouve qu'en matière de métal, lorsqu'il y a de l'enthousiasme et de l'énergie, on peut sauver à peu près n'importe quoi. Je ne veux pas dire par là que Under Siege à la base c'est n'importe quoi, mais c'est quand même un album qui tient beaucoup la route grâce à l'énergie et à l'enthousiasme de ses musiciens. Alors si vous aimez le métal pas trop alambiqué, des trucs qui tapent bien dans les oreilles avec un côté rentre-dedans, Under Siege est un album que je vous recommande chaudement. Petite interlude synthwave avec Perturbator et son EP Nocturne City. Alors Perturbator, c'est un des grands noms de la synthwave française, avec Carpenter Brut et The Algorithm notamment. Et j'ai pris cet EP parce que c'est un petit peu le seul que j'avais trouvé dans les bacs. Alors il se trouve que c'est un album qui est pas si récent que ça, puisqu'il date de 2012, il a été réédité plus tard. Mais en fait, l'autre chose, c'est que Perturbator semble avoir changé de style musical depuis, et être rentré dans quelque chose de plus sombre et probablement de plus complexe aussi. We'll be right back.
Et c'est là que l'on voit que le musicien est un vrai geek, hein, parce qu'il fait ses propres AMV avec sa propre musique, il utilise Akira derrière. Ouais, chapeau. Par contre, on pourra remarquer aussi que c'est une synthwave qui est beaucoup plus classique que ce qu'on a pu entendre avec Carpenter Brut notamment. C'est quelque chose qui est somme toute assez plaisant, hein, cet EP il s'écoute bien, mais c'est pas transcendant non plus. On ressort des sonorités électroniques, mais pas forcément des années 80, puisque voici du classic rock bien musclé de Fun Hearts and Brothers, un album qui s'appelle War is Over. Alors il faut savoir que derrière Fun Hearts and Brothers, ce patronyme à consonance allemande, se cache un groupe finlandais qui mélange classic rock à l'américaine et néo-prog à la britannique. Alors, je vous le concède, on n'est pas dans le créneau le plus original qui soit. Hein. C'est du classic rock extrêmement classique, mais aussi redoutablement efficace. Les frangins sont capables d'aligner tube sur cet album, c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est peut-être un petit peu mon vieux con qui parle, hein, le côté Toto, Asia, Muse, c'est assez mon trip, mais honnêtement, c'est une musique qui est très entraînante, très enthousiaste, très positive. Fun Hearts and Brothers, c'est un groupe qui n'est pas très connu sur nos latitudes, mais là, franchement, avec cet album, il mériterait d'être beaucoup plus. Il y a 13 ans, le premier album de Kino avait fait sensation dans le petit monde du prog. Vu qu'il s'agit d'un super groupe avec des membres de Marillion, de Frost, de Lonely Robot, et ainsi que des musiciens qui ont joué entre autres avec Yes et Steven Wilson, on aurait pu s'attendre à quelque chose de vraiment très bien. Sauf que non. Enfin, partiellement non, mais très partiellement. Là par exemple, c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Des comme ça, il y en a trois. On peut rajouter deux autres morceaux qui sont sympas sans plus, mais sur 11 titres, ça fait vraiment pas beaucoup. Alors, c'est pas que le reste soit mauvais, mais ça fait vraiment un côté remplissage, en plus c'est un chouïa mou du genou, ce qui franchement, pour un album qui se prétend être du néo-prog, est assez rédhibitoire. Alors, les trois morceaux qui sont bons sont vraiment très bons, mais je crois pas que ça justifie le prix entier de l'album. Autant vous prévenir tout de suite, le nouvel album de Spokesbird, Noise Floor, est aussi une déception. Alors, Spokesbird, pour ceux qui ne connaissent pas, fut un temps où c'était le groupe de Neil Morse. L'autre rocking rave du rock progressif, celui-ci a décidé d'aller faire une carrière solo. Et depuis, la carrière de Spokesbird fait un petit peu les montagnes russes. Hein. Des fois c'est très bien, d'autres fois c'est assez moyen. Et là, malheureusement, le dernier album étant assez excellent, celui-ci est assez pas excellent. Là, par exemple, cet extrait est assez représentatif du reste de Noise Floor, en ce sens qu'on entend un rock progressif que j'appelle rétro-progressif, qui est en fait l'idée de reprendre des sonorités vintage et d'essayer de faire des morceaux nouveaux à la manière d'eux. Sauf que bah, là, c'est pas super inspiré. Il y a deux morceaux qui sauvent quand même l'album, les deux derniers de l'album, mais là encore, surtout d'un groupe comme Spokesbird, c'est passablement décevant. D'une certaine façon, avec The Sea Within et son album du même titre, on pourrait avoir une sorte de combo avec les deux précédents. En ce sens qu'on a aussi un super groupe et un groupe qui décide de faire du rétro-progressif. On pourrait donc s'attendre à ce que ça soit doublement décevant. Eh ben non. Parce que voyez-vous, dans l'Eddie Supergroup, on trouve quand même l'inoxydable Ron Stolt, qu'on a déjà vu dans un grand nombre de groupes, notamment The Flower Kings ou Transatlantique. On a également la voix magique de Daniel Gildenlow, le chanteur de Pain of Salvation. On a quelques autres pointures du même calibre. Et en fait, tout ce petit monde, quand il s'agit de faire du rétro-prog, bah, ils s'y connaissent nettement mieux que Spokesbird et ses compas.
Alors oui, on a une collection assez impressionnante de morceaux à la manière de Genesis, à la manière de Yes, à la manière de Camel, à la manière de UK, à la manière de Pink Floyd. Mais il y a une sorte d'enthousiasme, une sorte de savoir-faire qui transcende quelque part ce côté un petit peu vintage, un petit peu à l'ancienne, qui fait qu'en fait The Sea Within nous balance un album qui est en fait super enthousiasmant. Donc du coup, The Sea Within, j'étais un petit peu mitigé au départ, mais en fait c'est quand même un vachement bon album. Faut pas chercher des trucs super complexes, hein, c'est du classicisme à fond les ballons, mais il est très bien. Et voilà, 10 albums de chroniqués, on tient une bonne moyenne je trouve. C'était donc le 4e épisode de Radio Erdorin. Si vous vous souvenez au début de l'expérience, parce qu'il s'agit un petit peu d'une expérience, j'avais dit que les mois d'été, ça serait un petit peu la période d'essai. Donc du coup, maintenant la question c'est, est-ce que je continue ? Non mais c'est nul en fait, j'entends rien parce que vous pouvez pas me répondre. Donc bon, de toute façon, la question se pose pas parce que j'ai l'intention de continuer. Hein. C'est en fait, j'avais aussi dit que si ça m'amusait, je continuais. Là, il se trouve que ça m'amuse, donc je vais continuer. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que cette plaisanterie, ça me prend quand même entre 6 et 8 heures par mois. Je compte pas l'écriture des chroniques web, mais tout ce qui est film, tout ce qui est montage, tout ce qui est retrouver les différents éléments, etc. Ça prend quand même pas mal de temps, cette histoire. Cela dit, j'ai l'impression que ces chroniques, je les fais vraiment pour un tout petit comité. On n'est vraiment pas beaucoup sur Peertube, on est un poil plus sur YouTube, mais pas beaucoup plus. Sur Facebook, c'est pas énorme non plus. Donc du coup, ok, c'est l'été, tout le monde est en vacances, c'est cool, mais maintenant, tout le monde est rentré, donc ça serait peut-être le moment de pousser un petit peu Radio Erdorin sur les ondes. Donc, je compte un petit peu sur vous, spectateurs, hein, vous les deux dans le fond, je vous vois. Ça serait cool que faire un petit peu de promo, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'en parler avec vos potes, de partager ça à gauche et à droite. Moi je trouverais ça cool, ou alors autrement, bah, vous pouvez aussi liker, vous pouvez commenter, hein, lâcher les coms, les réseaux sociaux c'est aussi fait pour ça, vous pouvez commenter sur le blog, vous pouvez commenter sur les pages YouTube, n'hésitez pas, je suis là aussi pour ça, pour répondre à vos questions, à vos commentaires. Donc sur ce, on se retrouve le mois prochain, n'oubliez pas d'écouter plein de métal. Le mois prochain on va de nouveau avoir plein de chouettes albums, et puis... Allez, je peux vous le dire, il va y avoir un concert de...